Ça s'enchaîne avec la section rythmique et ensuite c'est vous. Et on a fini. Non, après il y a un peu de sound painting vocal, bouche ouverte, bouche fermée. Des tenues vocales après les cuivres. Après les cuivres, ouais. Ça tourne. C'est des séances qui sont longues, lourdes et... Au milieu de la... C'est après qu'on s'aperçoit si... En gros, on enregistre un album en une journée, quoi. Alors, oui et non. Oui et non, parce qu'on n'enregistre pas un album de 10 chansons différentes, avec des atmosphères différentes, avec des orchestrations différentes. Voilà. On enregistre finalement, on fait une captation live d'un spectacle aménagé. Les morceaux sont répétés, ils sont connus, on les joue, on découpe un peu parce qu'on fait un disque pour un spectacle, et après on réassemble. Donc, mais c'est quand même beaucoup de travail. C'est un travail intensif, hein, oui. Bon, allez au boulot alors. Hein. C'est parti. Break de 5 minutes. Hein? Quelle page ? 10. Quelle page ? Moi, là, tout ça, c'est hyper nouveau. J'ai jamais foutu les pieds dans un studio, donc je sais pas du tout. Je suis habitué au spectacle vivant, donc de avoir l'ambiance, d'emmener d'un point A à un point Z. Là, on s'arrête, on reprend, on s'arrête, on reprend, on trifatouille, on n'entend pas tout le monde. J'attends, là, tout à l'heure, on va s'écouter tout ça, et puis on va voir ce qu'il va falloir reprendre demain. Après l'explosion, ben, ça repart. Je compte, 1, 2, 3. Je me rappelle plus dans la mesure 3. Avant le chiffre 5, ça s'enchaîne.
l'idée de départ, c'était de filer toute la chose et de la faire, mettons, trois fois de suite, etc. Comme si on était sur scène. Et même, on avait pensé à un moment, on s'est demandé s'il ne serait pas bien d'avoir du public et de le faire comme ça, en espèce de petit public et de le faire. Bon, mais d'un autre côté, un enregistrement, c'est une chose bien spécifique. Donc, on s'est dit, non, c'est pas une bonne idée. On va le faire, oui, dans les conditions du live, c'est-à-dire qu'on fait pas le moins possible de recording, de choses comme ça, mais dans le studio. Donc on le découpe en petites tranches. Dans le spectacle, le centre panique, c'est vraiment le fil conducteur du spectacle. Et donc, le disque doit être aussi témoin de ça, doit révéler cette chose-là. Mais tu as sans doute remarqué qu'il y en a moins, il y en aura moins dans la version disque, parce que le sound painting, c'est une chose qui a un côté visuel qui passe pas bien à la radio ou sur un disque. C'est parti. Forcément, on s'arrête, on reprend, s'arrête, on reprend, s'arrête, on reprend. Mais là, on a réussi. Il fallait qu'on fasse toute la musique en une journée. Et on a fait toute la musique en une journée. Donc. On va écouter, on va voir, mais pour l'instant ça va.